Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Réveil d'Afrique. Disparition du colonel Célestin Billy Voggy, c'est le général Bala Samoura qui a arrêté mon mari. Entretien avec Madame Laura Touf Bangoura. J'ai pris le colonel Mamadi Doumbouya d'Emili à retrouver mon mari. Je veux voir mon mari. Je ne veux rien d'autre que voir mon mari. C'est ça seulement que je veux. Je n'ai aucune nouvelle de mon mari. Si quelque chose arrive à mon mari, c'est Bala Samoura. Ce n'est pas une autre personne. C'est Bala Samoura qui a arrêté mon mari. Je me sens mal. Mes enfants me demandent tous les jours. Radié de l'effectif de l'armée suite aux événements du 4 novembre 2023 à la maison centrale de Conakry, le colonel Célestin Billy Voggy a été arrêté le 8 novembre par un groupe de gendarmes puis conduit à une destination inconnue. Depuis, la famille de cet officier de la marine nationale est inquiète. Son épouse, Laura Tou Bangoura, a été délogée par leur concessionnaire. Au cours d'un entretien accordé à un reporter de Réveil d'Afrique, la dame a accusé le général Bala Samoura d'être à l'origine de la disparition de son mari. Alors, monsieur Billy Voggy, mon mari est porté disparu parce que je ne sais pas où il est. Avant son arrestation, il m'a appelé quand il était dans son bureau. Il m'a dit « Laura Tou ». Quand j'étais à bord de la voiture, Bala Samoura m'a appelé. Bala Samoura lui a dit qu'il a une convocation. Arrivé à son bureau, il a trouvé des gendarmes. Ces gendarmes lui ont montré la convocation, mais il n'a même pas eu le temps de lire sa convocation. Il a quand même insisté de m'appeler pour me dire ce qui se passe. C'est Bala Samoura qui a arrêté mon mari. Mon mari m'a appelé avant qu'on ne l'embarque à bord de leur pick-up. Il m'a appelé pour me dire, Bala Samoura m'a appelé quand j'étais dans la voiture. Eh bien les amis, c'est ici que prend fin ce tout petit bulletin d'information. Restez abonné, restez à la chaîne, partagez avec vos amis, si vous la trouvez intéressante. À très bientôt.